Et salut les boys! Suite au commentaire de la dernière vidéo, le commentaire de Gash, je vais vous montrer comment je vais faire l'anneau dur à blanc. Déjà là, il y a une grosse astuce quand vous avez un jet comme ça à l'orbe, par exemple, c'est que vous allez remonter le soin à 9. Et là vous dites, c'est chelou, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? En fait, en remontant le soin à 9, vous passez une invocation qui va réduire le soin à 6. Parce qu'en fait, pour pouvoir monter l'item, c'est beaucoup plus facile d'avoir moins de soins, donc beaucoup moins de puits sur l'item, pour que les runes passent beaucoup mieux. Ensuite, si vous voulez un 8 de soins, je vous conseille quand même de faire un brisage PO ou invoque, d'avoir un peu de chance sur les soins, et vous pourrez faire un perf assez facilement, c'est ce que je fais de temps en temps dans mes tentas, vous en avez vu quelques-unes. Voilà, le soin est réduit à 5, 5 c'est le minimum que je conseille, c'est un jet correct, ça rend bien en plus quand vous avez 5 soins, 5 prospections, 5 8. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe la sagesse, on remonte la vita au maximum, enfin quand je vous dis maximum, c'est quasiment maximum, on va s'en servir surtout comme levier. Ce sera le boss final, de toute façon la vita, ce qu'il faut faire c'est la ranger pour arriver à 105, en tout cas de mon point de vue. Bon là on a eu de la chance, on a voulu passer le soin, ça a cassé une invoque, donc on peut avoir 20 de puits potentiellement, et c'est ce qui s'est pas passé, dommage, bon, c'est pas grave. Pourtant on avait 4 de soins, généralement l'invoque crit comme maintenant, voilà. Vu qu'on a beaucoup moins de soins sur l'item, l'invoque a de grandes chances de cesser vu que le puits est très faible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la vita et on va tenter de faire le yo-yo pour avoir un 105 vita parce que là, on a le G perf, en tout cas le G que je souhaite au minimum, et on va faire le yo-yo. Voilà, la vita va remonter, l'ini va passer, la vita machin. En fait, le but, c'est que voilà, ça descende à 95, qu'on ait un 100 vita et ensuite un 105 vita. Et du coup, là, vous voyez, on a eu une tenta assez rapidement. Bref, on va continuer avec un autre anneau pour que je vous montre l'exemple encore. On a eu un 6 de soins, c'est parfait, on n'a pas besoin de monter le soin au max pour le réduire, et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça nous permet de pas trop péter l'item. Et donc ça peut passer beaucoup plus rapidement. Ça dépend, hein. De toute façon, il y a toujours l'aléatoire avec le FM, forcément. Mais on peut faire en sorte de contrôler un peu l'aléatoire quand même. C'est ça l'avantage. Le FM, c'est pas forcément que du hasard, c'est surtout du feeling et de la stratégie, un petit peu. En tout cas, pour moi, je trouve que c'en est un peu. Ce qu'on peut faire là, c'est remonter la sagesse à 14. On va remonter la vitalité un petit peu. Voilà, on va passer la petite paille directe, petite prospect, petite fuite, sagesse qu'on remonte à 14 pour l'instant, dos feu, encore un dos feu, dos haut, prospect. Là pour l'instant on a un très bon setup, si une invoque ou un soin pète on est bien, on est même très bien. Le problème c'est que là la vita, elle nous a fait faux bon, mais bon, il y a peut-être moyen de quand même rattraper le coup. Je vous dis, hein, la vita si vous en foutez, clairement vous pouvez faire des jets en 30 secondes chrono. Parce que là par exemple, regardez, j'ai déjà un bon setup, je remonte la vita si je veux, tac touc, non d'accord. J'aurais pas dû dire ça. J'ai exigé quelque chose, le jeu m'a dit non, non, ça se passera pas comme ça, Astrik. Donc là, on va passer la petite runini, pif, ok, c'est pas passé, on va remonter la prospection, tac, touc. Voilà, le soin a pété, donc là, on a la sagesse, on a le G quasiment perf, on attendait que le soin, l'invoque ou le porté pète, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, on remonte la vita, on fait l'ini, et voilà, on a le setup parfait, et on passe à un 105 vita, et ça va assez vite. Pif, paf, ouf, on est bien, on continue, et vous voyez, on peut faire des G très très facilement. Bon, moi, j'aimerais bien avoir quelques 8 de soins quand même, histoire d'avoir peut-être une chance de les passer. Et je sais pas combien ça pourrait coûter un 8 de soins, mais je sais qu'un 5 de soins comme ça, ça coûte pas très très cher. Hein. Clairement, on va être entre 5 et 6 millions, c'est pas un truc de fou. Même si c'est un item récent, je pense que tu peux le vendre à 10 millions sur un serveur mort, mais ça ira pas plus haut, quoi. Voilà, c'est mon avis. C'est plus sur les anneaux Bontariens et Brachmariens que ça peut coûter assez cher l'anneau, parce qu'ils sont chiants à FM. Et voilà, c'est tout, quoi. Ils sont dépendants de la portée, généralement. De toute façon, je vous montrerai ça. Donc là, on continue sur un autre anneau. La petite sagesse, la vitalité, on la monte à 96. Pain. Sans le but, c'est juste d'avoir un setup avec le soin. Tac, tac, tac. Ok, la sagesse. On va remonter la petite rune chat. C'est bien, on est passé à 90 de vita, donc on a un bon setup là. Faudrait que le soin pète maintenant ou l'invoque ou la portée. D'ailleurs, faudrait que j'aille chercher des runes invoque. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, ça m'arrange. Ok, dos. Donc là, on a un très bon setup là. Attendez, on a fait un crit avec la sagesse. Donc là, si on passe une rune vie en crit, il y a moyen de faire un truc assez sympathique. Là, on a plus de puits déjà. Donc c'est dangereux de passer une rune vie parce que la rune vie peut péter soit de l'intel, soit de la chance dans la plupart des cas, ou une prospection ou une fuite. Bon, bref, on espère un crit qui n'est pas passé. Du coup, on a un jet un peu chelou. Qu'on avait du puits restant, j'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué. On passe la prospection, la petite rune vie, la petite rune vie. Ok, le dommage feu, pacha, enfin spine, je suis bête. On va passer une rune récri parce que là, on n'a pas de puits qui nous intéresse. Petite rune fuite, et là, l'invoque pète. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'invoque directement. Là, vous devez vous demander pourquoi. Bah, parce que si on remonte le G et qu'on tente de passer l'invoque, il y a beaucoup moins de chances qu'elle passe, il faut la passer directement. Et surtout qu'on cherche pas à avoir un G incroyable. Le but, c'est pas de faire un overvita, donc on passe directement les runes principales dès le début, histoire de prendre le moins de risques possible. Invocation, elle crit, je m'en doutais vu qu'on a le soin à 5. On passe la prospection, on passe la sagesse et on passe la vita. Et comme vous le savez, on va faire le yo-yo avec l'initiative. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà. Perfecto, on a notre G, pif, et voilà. On a un G plutôt clean, c'est très facilement refaisable. Et même si vous utilisez qu'un seul anneau, vous pouvez le faire. Et
avoir le jet de vos rêves pour pas très cher. Hein. Suffit d'avoir la petite strat. De toute façon, chacun a sa stratégie en quelque sorte. Hein. Bon, il y en a, c'est vraiment que de la chatte. Mais sur les anneaux où t'as beaucoup de puits, généralement, tu peux très facilement trouver une strat pour faire le jet que tu souhaites. Hein. Si tu souhaites un 8 de soin, je te conseille de négliger peut-être la prospection déjà, dans un premier temps. Vu qu'il n'y aura pas de prospection, t'as une ligne de moins sur l'item et il y a plus de chances que la portée, l'invoque pète et que tu puisses avoir ton 8 de soin assez facilement. Bref, moi, je vous le dis, j'adore avoir la prospection sur l'item histoire qu'il n'y ait pas une ligne en moins, ça fera moins moche. Après, c'est mon délire, hein, vous le savez. Voilà, on passe la païne, la pacha. Le but, c'est de quasi perf le jet. Le soin est à 6, donc c'est très bien. Le dos feu, la fuite. De toute façon, ça, c'est les dos et les fuites, il faut les repasser direct, hein, parce que c'est très dangereux de les laisser comme ça à 5 ou 6. Ok, le soin a pété. Le truc, c'est qu'on n'avait pas un bon setup. Quoique, là, on a fait un crit à la pavie. Ok, on peut faire une païne. On passe la vie pour passer à 103. On va remonter à 108 le temps que l'intel redescende. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer un pod qui peut faire en sorte que la pacha repasse assez facilement et en même temps on aura 100 de vita donc ce sera propre. Donc là on passe le pod, dommage on n'a pas eu le puits qu'on voulait et là merde on n'avait pas assez de puits, c'est dommage. Donc là on retente, hein. Je m'en doutais un peu, là on n'avait pas encore le bon setup pour pouvoir faire un beau jet. Donc là on va remonter à 98, la prospection, on monte à 103, on pète avec le pod et on espère que le pod crit pour pouvoir avoir peut-être un 105 vita facilement et là c'est pas mal, enfin quand je vous dis crit c'est juste qu'il passe en succès neutre. Ok, ok, et là peut-être qu'on peut avoir le 105, perfecto. Ça va très 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 vite et péter une ligne et du coup on aura un setup pour avoir une vita parfaite. Donc là je vais tenter l'invoque, elle a pas crit, du coup on a un setup, on peut passer double ravi et la petite rune vie, nickel. Et on a encore un jet clean. J'espère que vous croisez tous les doigts pour moi et on est parti. Faut souffler un coup là, parce que bon, si ça passe pas les gars, j'ai perdu une demi-journée pour rien quoi. On est parti. Première exo, première tenta, pardon, ça passe pas, c'est pas grave. Là on a un 8 de soin, c'est un non. Là on a quoi? On a un 8 de soin encore perf. C'est un non. Aïe, 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 c'est pas grave. Là, on a un 5 classique avec un peu plus de prospection, d'accord. Un 5 classique. Un 7 de soin, quand même. Il y avait un peu moins de vita, mais il était propre. Un 5 classique qui passe pas. Putain, j'y ai cru, ça a clignoté, là. Pour l'instant, pas grand-chose. Après, j'espère que ça passe sur les braques mariens. Les rats blancs, ça fait toujours plaisir, hein, mais... Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les braques mariens, c'est vraiment l'enfer. Les rats blancs, je pourrais en faire pendant des jours et des jours, ça me gênerait pas, tu vois. C'est vraiment très facile à faire. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous aurez une sorte de petit tutoriel de comment FM les deux anneaux façon Astrikia, on va dire. Et j'espère que ça vous plaira, ça m'aura pris un peu de temps. Peut-être que je vous posterai le tutoriel demain, histoire d'avoir une vidéo chaque jour, vu que là, je suis en vacances, j'en profite un peu. Je peux faire des vidéos le matin et ensuite l'après-midi m'éclater avec mes collègues, etc. Donc ça fait plutôt plaisir. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui passe. On est déjà à 20 tentats, toujours rien. Ah, mais après, je me dis, j'ai encore 80 tentats. Je suis positif. Pas comme dans la dernière vidéo. Je pense que mon mauvais mood m'a pas aidé. Purée, il y a mon voisin, il gueule vénère. J'espère que vous l'entendez pas. J'ai l'impression que sa femme, elle va se faire frapper. Oh, c'est un truc de fou. Il va se calmer. Bon, vous l'entendez pas. Bref, c'est pas grave. On continue. Allez, allez. Un set de soins. Yes! Un exo. Yes! Yes! Oh, il est pas mal en vrai. Eh, mais attends, mais il y a 13 de sagesse. C'est le seul que j'ai fait en 13 de ça, je pense. Ben merde. Bon, après, il est clean quand même, hein, mais. Ok. Bon, ça fait plaisir. Franchement, la vague n'est pas perdue, les gars. On a enfin un exo. Après, sur le gant du rat blanc, c'est pas forcément l'item que je voulais, mais il est clean, il est clean. Franchement, ça passe. Je vais pas me plaindre. Et on continue. On espère qu'il y en ait un deuxième. Si on a un deuxième, ce sera encore mieux, histoire que j'ai un 15 sagesse, quoi. Ok, pour l'instant, on a rien du tout. Les anneaux, ils sont en train de remonter bizarrement, là. Ok, là, c'est bon, ils sont remontés, on est d'accord. Ouais, c'est bon. Ça s'est remis à la normale. Pour l'instant, pas grand chose. Il nous reste 17 tentats d'anneaux rat blanc. On espère avoir un peu de luck. Après, là, j'ai quand même eu un 7 de soins. Je sais pas pourquoi je me plains, les gars. J'ai fait 150 000 5 de soins. Je fais un 7 de soins, je me plains. Ah, lui, il est pas mal. Il manque juste le petit 5 vita. Mais sinon, il est vraiment clean. Il passe pas. C'est pas grave. On reste fort dans l'adversité. Mais là, déjà, j'ai le petit smile. Vous l'entendez dans ma voix, là? Ah, il y a un exo qui est passé. On n'a pas perdu notre temps dans la vague. Ça fait plaisir. Je m'attends pas à un deuxième exo. Mais ce serait cool. Vraiment, sur les braques mariens, vous le savez. Désolé, hein, je meuble comme je peux. Hein. Je viens de finir les tentats d'exo. J'ai pris ma douche en stress en me disant est-ce qu'il y a au moins un exo qui va passer? Ok, là, il manque un anneau. Hein. Il y a un anneau qui s'est perdu. Donc, ah, il est là. Salut, mon pote. Ça va ou quoi? Ok. Du coup, pour les gants du rat blanc, on en a eu un.